respectez-les. Oui, monsieur. Juliette n'est pas une dragonne qui danse une pile de crédit, non. C'est une dragonne qui s'est bourrée par un âne. Hein. Quoi? Allô? Qu'est-ce que... Oula! Ah oui, c'est oui, bienvenue sur Titan, quoi. Oulalalalalala. C'est quoi, y'a Thanos qui est passé ou quoi, là? L'équilibre parfait. Ah oui. Ah, c'est pas mal, ça, hein. Oula, mais attends, c'est quoi cette merde? C'est quoi ça, là-bas, là? TG, c'est la SF. Attention, attention. Oh, 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 oh. Oh! Ah, bien, elle peut lui sauter. Y'a de l'eau sur Titan? Et du glouglou? Non, mais en vrai. Merde. En vrai. En vrai. Bah, il me faut des photos. Hein. C'est longtemps qu'on a pas fait de photos. Hein. Écoutez. Regardez. Voilà. Observation file note, regardez. Oh, c'est pas mal, c'est excellent ça, regardez. Incroyable. En plus, c'est catégorie Ozark, ça, c'est parfait. Catégorie, à limite, à la place du Ozark, si tu rayes, tu mets bullshit. Voilà, c'est parfait. Détente et de méthane, Master Chocobo. Attention à toi, attention. Bon, du coup, il se passe quoi ici? À part qu'il y a des trucs bizarres dans les airs. Oh, ça avait pensé, j'ai pas regardé. Bienvenue, oui. À nouveau départ. Bonjour. Catégorie what the fuck. Bonjour. La vie est simple ici. Essayez de pas la compliquer. Touriste. Il fait si froid ici. Je suppose que j'aurais dû m'en douter. Bon, il fait un petit moins 180 degrés. Bon, ça va quoi. Le pire, c'est quand c'est à moins 192. Là, j'avoue. Là, j'avoue, je commence à avoir des petits frissons. C'est quoi ça? Bureau des systèmes énergétiques. Oh oui. Qu'est-ce qu'on a par là? Ne restez pas trop longtemps dehors. Vous allez vous transformer en bloc de glace sans protection adéquate. T'inquiète. Ce serait sympa de partir un moment, mais c'est difficile. Les gens comptent sur la ferme. Ah, un nouveau visage. Bonjour. Vous êtes en visite ou vous emménagez à nouveau départ? Non. J'envisage d'acheter une maison ici, comment ça? Oh, je vous dis juste, j'aimerais en savoir plus sur la colonie. Eh ben, il y a beaucoup à apprendre. Vous pouvez toujours essayer l'une des visites historiques ou demander aux gens du coin. Il y a un musée? Les autres mondes des systèmes occupés me fascinent. Je peux vous poser une question? Oh putain, si tu... je dois y aller. Si tu savais le nombre de saloperies que j'ai vues en 52 lives, il n'y a pas de souci, meuf. Sors la table, là, sors la chaise, le pique-nique. Je ramène le chasseur, l'émissaire, là. Vas-y, vas-y, on s'y une petite bouffe, un petit barbecue, là. Je ramène un orimorph aussi, là. Oh, fantastique. À quoi oh, ce qui m'a rien demandé. Eh ben, j'ai un appartement chez Rich. C'est incroyable, des immenses gratte-ciels, des cieux magnifiques et des gens de tous les horizons. C'est atroce, je préfère mille fois les villes de la bordure, les petites colonies comme celle-ci. Oh non. Aucune idée, j'ai jamais mis les pieds. Lol. Non, mais voilà, bon, c'est sympa. Oh, ça a l'air tellement incroyable. Je peux t'emmener si tu veux, Mora. J'ai entendu une touriste en parler. 25 000 crédits le voyage. Je rêve d'y aller. On en entend parler, bien sûr. 25 000. On est prix d'amis. Exposé aux autres mondes. Mis à part quand leurs habitants. Zephy joue à Death Must Die. Zephy! Je me demande si j'arriverai à. J'ai envie d'y jouer moi aussi, mais je me retiens pour qu'on fasse ça en live. Ça vous gêne si je vous pose une autre question? Je vais y aller.
Merci. Je vous promets de pas abuser de votre temps. Bon, mais t'inquiète. La Confédération. On est tranquille, c'est le week-end. Est vraiment aussi anarchique qu'on le dit. Liberastra est une ode à la liberté. Chacun est libre de faire comme il bon lui semble. Ce n'est pas aussi énergétique qu'on veut nous faire croire. Il y a aussi des règles d'injustice. Je sais pas grand-chose à ce sujet. C'est dangereux, soit vous comptez sur les Rangers, soit vous faites respecter la loi vous-même. Bon, je vais dire le deuxième plutôt. C'est pas aussi anarchique qu'on veut vous faire croire, il y a aussi des règles et une justice. Je pensais que les histoires étaient pas toutes vraies. Comment des gens peuvent vivre ensemble sans loi pour les protéger? Même dans une petite communauté comme la nôtre, on doit maintenir la loi et l'ordre. Encore que je comprends que ça devienne difficile de les protéger dans l'immensité de l'espace. J'imagine que c'est pareil dans la Confédération. Et là, ça me dit, qu'est-ce que vous pensez ça des pirates? Si je change de sujet? Je vais y aller. Ah, merci. Rends l'argent. Rends l'argent. Une planète pleine de plantes, d'air pur et d'eau. Zelfie, me donne à boire, Zelfie. Non, mais Zelfie, arrête. Zelfie, tu me trolls à jouer à Desmos Day. Zelfie, non. D'ailleurs, j'ai fini deux runs, Zelfie. Zelfie. Mais je me retiens de pas trop jouer, Zelfie. Faut qu'on fasse ça en live, le 100%, là. Le jeu est drôle. Bonsoir Simon, bonsoir Zelfie, j'espère que vous allez bien. Pardon. Oui, il existe des planètes splendides, regorgeant de toutes sortes de vie. Oui, mais elles sont pas toutes renversantes non plus. Quand on en a vu une, on les a toutes vues. Possible, mais j'en ai jamais visité. Alors, le 2, c'est un peu vrai. Hein. Toujours la même merde, hein, des saloperies, des plantes, et voilà. Hein. Je vous écoute. Je vous écoute, ouais. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des planètes avec des dinosaures, des bestioles volantes, des piafs qui vous tombent dessus comme des X-Wing, des orimorphes, voilà, bon, ça y est, des lamasticots. Bon, hein, c'est. Oui, bon, allez, il existe des planètes splendides regorgeant de toutes sortes de vie. Bon, allez, vas-y. J'ai beaucoup lu à ce propos. J'ai fini la première tout à l'heure, ouais, j'ai fini. Avec quel perso? J'ai toujours connu que Titan. C'est si froid et si morne. J'ai toujours rêvé de voir une planète comme ça, d'en respirer l'air, de sentir la chaleur de son soleil. Oui, c'est vrai que oui, c'est vrai que oui. Réticent à partir. C'est vrai qu'elle est dans le système solaire le nôtre, je donc peux vous forcément. Poser une autre question? Il suffit, oui, si vous voulez. C'est vrai que si elle a pas connu autre chose que notre système solaire actuel, parce que là, je vous rappelle Zelfie et Simon qu'on est sur Titan. Une petite colonie déployée sur Titan. Bon, la pauvre, c'est vrai qu'elle a pas vu grand chose. Ouais, si vous voulez, oui. Oh, fantastique. Ce qu'a dit. C'est qui ça, ce qu'a dit, ça déjà. Le est vraiment aussi dingue que ça en a l'air. Ce qu'a dit, c'est qui, Zelfie? Je m'en souviens plus du nom. C'est quoi, c'est la voleuse, non? L'assassin? C'est l'assassin. Fille! Ah non, ce qu'a dit, c'est pas le dernier, là, l'écossaise, la meuf à l'épée? Peut-être? Je sais plus, je suis fatigué. Je sais plus ce que je dis. C'est quoi sa question? C'est quoi ta question? Zelfie! Avec l'épée à deux mains. Oui, c'est ça, oui, d'accord, oui. Non, mais ce personnage, ouais, il est incroyable. Son premier passif, je sais pas si tu l'as débloqué, mais what the fuck. C'est quoi sa question? Qu'est-ce qu'on pense de l'espace? C'est sympa, mais on finit par s'habituer, ouais. L'espace est incroyable, mais aussi très dangereux. Désolé, je réfléchissais à tout ce travail qui m'attend. L'espace ne cesse jamais de m'émerveiller, ouais. En vrai, c'est un peu vrai, hein. L'espace est joli. Surtout quand t'as des astriens qui vous cassent la gueule. Ah bah, tu te démerdes, hein, fallait suivre. Mais oui, mais suive le chat, tout ça, moi, hein. Bon, Maxou, bon. Vous m'avez convaincu de devoir y aller un jour. La plupart d'entre nous n'ont jamais quitté Nouveau Départ. C'est même une fierté pour beaucoup. Mais j'ai toujours été curieuse. C'était tout ce que je voulais savoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Même pas une question sur les pirates, quoi. Oh. D'accord. S'occuper de la ferme avec ma famille pour le bien de notre petite colonie est l'un des plus grands plaisirs de ma vie. Bon bah, tu tiens beaucoup à ta petite brindille, en tout cas. Hein. En parlant de famille... Nous autres habitants de Titan sommes résistants. Il le faut pour vivre dans un endroit pareil. Oh là 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 là. J'ai entendu votre discussion avec ma femme, Mora. Vous lui avez bourré la tête d'idées de voyage loin de son foyer. Oh merde. Vous avez quelque chose à dire pour votre défense? Voilà, pardon, je vais pas vous faire des soucis, hein. C'est ce que je pensais.
On va se calmer, hein. Maintenant, j'apprécierais que vous gardiez vos inepties pour vous. Comment ça ? Vous pouvez pas comprendre pourquoi c'est important que notre communauté reste ici et conserve son mode de vie traditionnel. Oh, bah, action, après, je vais emmener aux touristes. Vous avez raison, c'est vrai, mes affaires, je m'excuse, oui. Bah, quelle tradition déjà ? Comme notre façon de gérer la ferme, nos forts liens familiaux. De s'emmerder aussi. Colonial. Nous n'avons que les technologies nécessaires à notre survie. Tout le reste repose sur du travail fait par des humains. C'est bon pour l'âme de l'humanité. Non, je suis pas d'accord avec vous, les gens devraient pouvoir explorer librement l'univers. Surtout pour tomber contre Genghis Khan, les pirates et la Juno. La sonde Juno, je crois. Bon. Acceptons nos points de vue opposés, alors. Je vous demande simplement de respecter nos souhaits. Je... Va te faire foutre. Tiens. Ta plante de merde. Regarde. Hein, regarde. Tes traditions, là. Hein. Tes traditions du cul, là. Hein, regarde. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de tes plantes de merde, là. Hein. Tu dis quoi, là. Hein. Ah, tu dis quoi, sac à merde. Hein. Hein? Merde. Et Adrien l'attrape? Hop! Oh bah deux hommages. Non, tu fais quoi là? Merde, il en reste un là. Papa, il aime pas trop que je parle aux touristes. Comment ça? Mais. Comment je vais faire pour en savoir plus sur l'extérieur? Eh bah, si tu veux, je t'emmène. Parler de ces baisses de tension à Joyce. Parler à Joyce. Oh, encore une rumeur, non! Attends. Non, très important. Attends, Adrien, je te montre un truc. Voilà. Regarde. C'est comme ça qu'on met les plantes. Connasse. Tout doucement. Avec un petit doigté. Voilà. Papa, tu dis toujours que c'est hyper important de garder les traditions, mais pourquoi est-ce qu'on doit tenir la ferme? En quoi c'est une tradition? On gère la ferme parce qu'il faut faire pousser de la nourriture. C'est ce que faisaient nos ancêtres sur Terre. Peut-être pour nourrir les gens, connasse. Pardon. Mais ils avaient pas des grands champs à ciel ouvert et des machines géantes? T'imagines? Non, bah non, ils s'allient, tu sais. Ils s'allient. Oh, ça serait incroyable. Elle a raison sur ce point, chérie. Sa femme qui parle de l'autre côté. C'est parce qu'on travaille dans un bien plus petit. Ouais, elle a raison, hein. Bah donc c'est pas pareil alors. Comment ça peut être la tradition si c'est pas pareil que ce qu'ils faisaient? Et pourquoi c'est Elle a raison, hein. Enculé de mari. Pardon. J'en sais rien, c'est comme ça. Bon, il faudrait pas se mettre en retard. Ok, d'accord. Certains d'entre nous sont contents de leur... Oui, fermez-la. Bonjour. Je suis pas vraiment censée mais j'en ai un peu envie et je crois que papa, il me surveille pas. Vous allez pas lui dire, hein. T'as le père littéralement à 10 cm à côté d'elle en mode... C'est le père, il est là, tu sais. Pardon, gamine, maintenant j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Non, pas si tu le veux pas. Non, mais vas-y, accouche. Non, pas si tu le veux pas, je pense pas, non. Sauf si tu poses la question, vas-y, YOLO. Ah, bah ça va alors. Je voudrais pas vous faire mentir, hein. Maman dit toujours que c'est pas beau de mentir. Alors. T'inquiète pas, je mens jamais. De quoi est-ce qu'on pourrait bien parler? Les pirates. Pourquoi ton père veut pas que tu parles aux touristes? Ma maman dit que c'est parce qu'il croit que... Parce que c'est un gros con, hein. Elle se tout le monde loin d'ici. Mais je lui dis tout le temps à mon papa, moi j'adore ici et je l'aime lui et je le quitterai jamais. Il me croit pas. Il dit que les enfants veulent toujours partir quand ils grandissent. Mais pas moi, non. Moi je veux juste visiter un autre endroit. Peut-être. T'inquiète pas, moi je propose c'est qu'on le dépose à Londignon. Ça serait un excellent endroit pour comme première planète. Ça serait parfait. Il y a beaucoup d'autres enfants à nouveau départ pour les sacrifices sur Londignon. On a besoin d'appât pour ferme là. Pas trop. Il y en a, hein. La plupart ont à peu près mon âge et on va tous à l'école dans la même classe. Incroyable. L'école est pareille que dans le reste des systèmes occupés ici. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Je sais pas. J'ai jamais été dans d'autres écoles. Qui s'en bat les couilles? Alors, on étudie surtout l'histoire du système sol et de la Terre, enfin des trucs comme ça, jusqu'à ce qu'on soit assez grand pour partir en vacances. Oh, le doublage de ce personnage, c'est putain. Quand on va dans une école ailleurs pendant longtemps ou qu'on voyage sur d'autres mondes pour essayer des travails, des trucs. J'ai trop hâte.
J'ai ta 3, toi. C'est con parce que tu vas rester ici toute ta vie. Ça te plaît de travailler dans ce trou à rats? Bah, je trouve ça plutôt rigolo. Et je peux être avec maman et papa toute la journée, alors c'est cool. Ah, rigolo de regarder des brindilles pendant 5 heures. Ils disent qu'on doit tous travailler un peu parce que il faut nous tous pour que la communauté marche. Comme sur Terre, il y a super super longtemps. Ce serait cool de voir d'autres endroits et de faire d'autres choses un jour. Mais là, ça me va pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais, Adrien, d'ailleurs? Oui, bon, écoute. Merci d'avoir parlé avec moi. Ouais, de rien. Ah, bah. Ah, le père, il arrache quitte, il va me voir le cul. Non, pitié, non. Encore quelqu'un de la famille? Vous êtes qui? Non. Oh, c'est quoi ce bordel? J'irais bien à Bébra pour déguster les bons. Non, ça, c'est le père, ok. Anja? Bon, par contre, faut que j'aille voir un certain Joyce. Noise! Ça, c'est pour Simon, ça. Joyce! Merde. Non, non, les pouvoirs des dieux, oui. Parler à Abby Ding. Oui, non. Parler à Joyce! Il est là-bas. Oui, d'accord. Ah, c'est pas le même ascenseur là-bas? Merde. Tant pis. Terrible. Ah oui, super. Bonjour. C'est la misère au niveau du loot hein, par rapport à la première heure. Hein. Putain. J'adore cette lune et ses habitants. Mais non, mais non, non. Oh. Non, 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 mais je vais pas prendre cette merde. Attends, j'ai une découpeuse sur moi ou pas? Ah bah non. Ah merci. Ça tombe bien. Histoire des pirates célèbres, comment ça? C'est trop long. Barbe noire. Oui, oui. Vous avez lu? Moi, oui. Salut. Moi, je suppose. Mon thérapeute m'a conseillé d'enregistrer des notes pour moi-même afin de... mieux gérer ce changement de vie drastique. L'objectif est sûrement d'y revenir the plus tard, nice de voir des progrès réalisés. Enfin bref, je vis un nouveau départ depuis 3 mois maintenant, et c'est pas facile. Les gens du coin n'aiment pas trop les étrangers, mais ils savent qu'ils ont besoin de moi car leur précédent gestionnaire des systèmes d'alimentation est mort subitement. Il s'est retrouvé coincé dans le froid avec un trou dans sa combinaison. Aïe, 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 aïe. Et beaucoup d'alcool dans le sang. Aïe, 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 aïe. Ne pas faire la même erreur. Où j'en étais? Oui. Donc, j'ai décidé d'y aller franco et de changer mon nom de famille pour montrer à ces gens que je suis sérieuse. Ça a causé quelques soucis avec mes parents. Mais ils ont fini par comprendre. On n'aime pas trop les gens de votre genre. J'aime bien. J'ai toujours aimé l'histoire de ces lieux. De sa naissance en tant qu'avant-poste à la recherche de vie, à la recherche du meilleur moyen de construire des colonies sur des mondes difficiles, et maintenant en tant que musée vivant. C'est vraiment... Oh, merde. Les lumières galèrent pour rester allumées. Bon, je vais devoir me remettre au travail. À plus tard. Moi? Moi? Bah ça dépend, il y a la fibre ici ou pas? Ceci a la fibre? Ces conneries là. Zephy, c'est bien codé le jeu, Zephy. Bon. Allô? Attention, oulala, oulala, faut pas être pressé. Hein. Oh, bonjour. Vous venez à cause des baisses de tension? En ah oui. En général, c'est pour ça que les gens viennent me voir, comme c'est moi qui... Ah oui, mais quand tu disais des baisses de tension, moi, quand je suis fatigué, ok. Non, je viens juste discuter. Non, mais ça a l'air d'être un problème, des baisses de tension. Ah, c'est vous qui tenez les gens au courant, c'est ça? Pas mal, hein? Au courant, LOL! Oh. LOL MDR! Elle est bien bonne! T'as Maxou, Maxou, pourquoi j'ai fait ça? Les gens au courant, littéralement. Aïe 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 aïe! Putain! Au secours! Des baisses de tension comme dès le matin, non, comme tout le temps en fait! Comme tout le Alors, temps! On est chargé de résoudre les problèmes propres à cet environnement. Oui, bon, exactement, ce sont les baisses de tension qui m'amènent, oui. Évidemment. Je comprends, c'est un problème récurrent. Les citoyens comme les visiteurs ont le droit de savoir ce qui ne va pas et quand... Oh, juste un petit torimorphe là qui est en train de manger les câbles. Seulement, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore.
Parce que je dois rester ici pour surveiller le système et dans l'immédiat, personne d'autre n'a le temps d'aller régler le problème sur le terrain. Vous êtes 240 ici, mais ouais. Comment nouveau départ était à l'alimenter en électricité. Attention, machin Chocobo, attention. Vous avez vu ces énormes éoliennes? Ah non, mais oui, mais c'est la triche. Ressource principale d'énergie. Et le méthane, tout ça, c'est pour mon cul. Le vent puissant de Titan génère de l'énergie quasiment en continu. Mais il faut veiller à ce que les machines ne soient pas couvertes de glace. Commencez de bosser à la surface de Titan. Je suis à ce poste depuis quelques mois seulement, mais ça me plaît beaucoup. Même si c'est un peu frustrant de travailler avec un équipement vétuste. Je suis venue visiter cet endroit quand j'étais petite. Ça m'a tellement plu que j'ai bondi sur l'occasion de revenir quand j'ai fini mes études en sciences de l'énergie. Ça peut sembler dingue, mais connaissant les conditions climatiques de Titan, je savais dans quoi je m'embarquais. En vérité, les difficultés... Bordel, j'étais au chaud, j'ai raté quoi ? Oui, une blague de merde, Maxou. Une blague de merde. Putain, mais pourquoi t'étais pas là, Maxou ? Oh là là. Vous n'êtes donc pas de nouveau départ à la base. Bah, c'est quoi, elle vient de la Terre? Non, je viens de Ah non, New Atlantis, d'accord. Mais j'ai toujours aimé cette petite lune. What the fuck? Même si elle est What the fuck is that shit? Nice. Les locaux ne voyaient pas d'un très bon œil le fait qu'une étrangère vienne s'installer ici. Mais quand j'ai changé de nom de famille en accord avec leurs coutumes, ça a bien aidé pour gagner leur confiance. Putain, passer du New Atlantis à Titan, quand même. Je suis fière de porter le nom de la ville terrienne où vivait ma famille. Il y a de cela des générations. J'ai quoi le problème? Franchement, oui. Ça fait pas très longtemps que je suis à ce poste. Et j'avoue que je rame un peu. Un coup de main serait pas de refus. Je peux sûrement vous aider. Je sais ce que c'est de gérer un avant-poste. Je suis ingénierie avant-poste niveau 3. Formidable. Je suis une pro. Que les vieilles machines de ce genre finissent par être couvertes de glace au bout d'un moment. C'est ça qui cause les coupures. Vous pourriez aller dégager cette glace à la découpeuse laser? D'accord, c'est pour ça qu'il y a une découpeuse sur la table. Je peux le faire, mais ça a intérêt à être rémunéré. On ne perd pas le nord, évidemment. Naturellement, quand vous aurez dégagé la glace. Comment ça, naturellement? Ah oui, d'accord, non, pardon. On va se calmer. Crédit à la clé. Tâchez de ne pas vous blesser ou d'abîmer les machines là-dehors. Moi, je reste ici pour surveiller le système. Merci. On s'emmerde, Adrien, on s'emmerde. Où sont les orimorphes, là? Y a pas une petite attaque d'orimorphes, là, sur la ville, là, histoire qu'on s'amuse, là? Bon, on peut pas ramener des serpents et la plante, là? Allez, là, allez, allez, Adrien, là, allez, une petite prank, là. Oh. Oh. Oh putain, faut que j'aille où? Là-bas, là? Baisse de tension. Ah, derrière. Combien de gravité ici? 0,14. Non. Zephyr, regarde des éoliennes en UHV. Qu'est-ce que... Bon. Oula, l'éolienne. Oulala. Aïe. Attends, je vais monter par là ou pas? Non. Non mais, espèce de con. Quoi? Comment ça a arrêté? Ferme-la, Adrien. Ah non, mais je suis en train de la taper, mais elle est où? Incroyable quête. J'espère que ce live vous plaît, évidemment. Un live de qualité. Putain, l'héritage des Krix, les orimorphes, et maintenant, là, couper de la glace, là. Être marchande de glace, là, pour de la merde. Easy. C'est bon ou pas, oui? Tu mets ça ou la ligne rouge ou encore le Xenofresh. Ne prononce plus jamais ces mots.
Surtout Xenofresh. Sinon, je t'envoie plein de tickets pour lundi. Je t'envoie des tickets pour lundi avec des références trans qui commencent par Xeno et Fresh. Xenofresh pointé va tirer TU12-666. J'ai plein d'alarmes dessus, JPP, aidez-moi. Je suis contente que vous nous veniez en aide. Tout était nettoyé. Super, je viens de voir les relevés tout à l'heure. Et genre tous les autres connards sur la planète pouvaient pas faire ça quoi. Pour votre aide. Putain mais. L'argent. Merci. Argent gratuit. Bon, on se casse de là, on s'emmerde. Oh la barrette. Entrée d'un nouveau départ. Mais je l'ai fait ça. C'est pas fini. Comment ça? Comment ça? C'est quoi, c'est là? Y'a un musée ou quoi, c'est ça non? Attends, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il veut que j'aille là? Oh damn, c'est pas fini. Ce n'était que l'accueil. Ce n'était que l'entrée. Et là il y a toute une putain de ville, c'est ça? Oh non. Je comprends vraiment pas ce que les gens trouvent au Chunk. Bah c'est rigolo. Nous sommes à court de sauce spéciale Chunk. Mais croyez-moi, même sans ça c'est délicieux. Oh non. Bienvenue non chez non Chunk. Parlez à Luthor. Lex Luthor. C'est qu'est-ce que vous faites déjà? C'en est une autre de le vivre. Fermez-la. Vous avez vu ces turbines? Wow. C'est quoi? Il y a la pomme, à la patate. Merci d'avoir choisi Chunk. La viande. La viande de Genghis Khan d'ailleurs. Citrouille. Hey, cheesecake. Mais fermez-la. Non. J'ai juste une question sur la nourriture. Des œufs, chocolat, poulet grillé, cheesecake, oh non. Vraiment ça? Enfin, bienvenue. Moi aussi, je mange des protéines industrielles qui servent les meilleurs. Chut. C'est comme manger l'emballage dans lequel les protéines arrivent. Je comprends pas le principe. Ouais. C'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Mais c'est la nourriture la plus populaire de tous les systèmes occupés. C'est bien qu'il doit y avoir quelque chose de bon. C'est peut-être juste moi alors. Vous avez choisi pour les autres. Tiens, regardez. Excellent choix. Tu connais zéro. Cabernet rouge, tabernacle. Cabernet, je sais pas pourquoi. Avec l'accent québécois, tu sais. Cabernet là. De nouveau départ. Nous servons tous vos crocs favoris. Enfin, presque tous. Aïe 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 aïe. Nous n'avons plus de sauce spéciale. La sauce. Je sais, je sais. Mais tout le reste de la carte que vous connaissez et adorez est bien là. Alors, que puis-je faire pour vous? C'est d'être problématique d'être un camp de sauce spéciale. Miaou. Je croyais que le nouveau départ était un musée vivant. Qu'est-ce qu'un Chunk fout ici, putain? Faut bien se nourrir, non? Sérieusement, faut qu'on commence un peu à se mettre à la page, nous aussi. Et je vois pas de meilleur restaurant qu'un Chunk pour s'ouvrir à la modernité. Putain. Je pense que la direction a vu nouveau départ comme un marché inexploité. Les locaux mangent pas ici, mais les touristes, eux, ils adorent retrouver la nourriture qu'ils connaissent. Putain, un Chunk à l'œuf, c'est trop bizarre. Si tu manges, juste un œuf en fait. Alors que le cheesesteak. Om nom nom. Quel est votre croque favori? Allez, question à la con. Vous oh vraiment une That's hot. That's hot. Comment choisir un seul? Y'en a au poulet, au bœuf, aux patates. Patates. Au steak fromage, au cheesecake. Écoutez, vous m'en voulez pas si je triche? Oh. Vous êtes vraiment les crocs, hein? Carrément. It's hot. Nutritif. J'arrête. Pas compliqué, rapide, pas cher. Franchement, on peut qu'aimer ça. Bon, ma femme trouve que je mange trop de crocs, mais je peux pas me retenir. C'est délicieux. J'aimerais passer commande. Je vous écoute. Quel croc succulent vous ferez? Je me demande ce qu'il va vendre. Croc 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 croc. Mais franchement, à quoi sert cette boutique? Ah, change de personnage augmenté. Ah oui, c'est le crocovin. Tour de récupération, ouais. À part pour le croc-cola et le crocovin, tout le reste ne sert fucking à rien.
Les emballés, c'est triste en plus, ouais. En plus, ouais, c'est que les emballés. Ça ne sert à rien la bouffe dans ce jeu, je suis désolé, mais. Oh là 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 là. Le croque à l'œuf là, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs? Un produit des systèmes occupés. Traite car folie. Quoi, 0,60. J'arrive pas à lire. Hein? 0 degré, 50 degrés, non? C'est quoi de mon con, c'est. De ne pas exposer aux radiations, oui. Prêt à manger. Pas besoin de réfrigération, pas besoin de préparation. Instruction de cuisine. Savourez comme il est tout de suite ou faites-le chauffer au four en 5 minutes. Ah bon? 400 grammes. 200 kilos calories, ouais. Par chunk. 2,25 grammes de sel, hein, bien sûr. Mais attends, mais si je prends un truc genre au gâteau. Non, attends. Genre à la pomme, où est ta pomme là? Ça, tu mets pas au four quand même, c'est complètement con. Ils sont cons, très bien. Oui bon, c'est quoi votre sauce de merde là? Franchement, ça l'est. Les gens disent que ce chunk n'est pas aussi bon que les autres. Et je sais exactement pourquoi. Parce qu'on n'a jamais cette délicieuse sauce. La sauce. J'ai contacté quelques-uns des autres. Ça c'est de la quête hein. Ils veulent bien m'en donner un peu, mais ils n'ont pas les moyens de l'expédier. Et j'ai pas de vaisseau. Qu'est-ce qu'on fait? Bah ça tombe bien, j'ai pas de vaisseau. Ouais, c'est dommage, bon, faut que j'y aille. C'est assez important que ça, cette sauce de merde là. Bah ouais. Et les gens n'en parlent peut-être pas souvent. Une pomme au four, oui, bon, Maxou, oui, c'est vrai, mais bon, allez. C'est le 95% de ta pomme, tu la manges comme ça, quoi, Maxou. Enfin, bon. Faut pas prendre au premier degré. Je dis pas qu'il y a du ciment dedans, ou que nos plats tombent en morceaux. Mais elle est si bonne, acidulée, un peu sucrée, mais pas trop. Et quand les gens apprennent qu'on en a pas, parfois ils reviennent plus. C'est pour ça que ce chunk tourne moins bien que d'autres. Ah, carrément, quoi. Ouais, voilà, si ça paye, hein, vas-y, hein, vas-y. Vraiment ? Vous feriez ça ? Oh là là là. Vous me faites pas marcher. On est réduit à ça, les gens. Hein. On était la reine des pirates, la chasseuse de Rimorph, et là, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher une putain de sauce spéciale pour Mother Fucking Chunk ! Yeah ! Si, en fait, pas question, je bosse pour. Je le ferai si vous me payez, évidemment. Bien sûr ! Entre mes économies et notre petite monnaie. Je trouverai de quoi vous rémunérer. Oui, ça sans crédit. Je sais qu'un autre chunk a une caisse pour moi. En fait, ils me l'ont confirmé, juste avant votre arrivée. Présentez-vous au comptoir, ils sauront quoi faire. Ramenez tout ça ici, et on sera bon. Merci. Merci. Connard. Ah pardon, excusez-moi. La sauce spéciale. Alors, attends, ils m'ont d'aller où là? Au Paradiso, non? C'est tellement Paradiso. Oui, c'est au Paradiso, ça. Aïe, 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 aïe. Ok, d'accord. Par contre, le cola 5 minutes au four, je dis non. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est super qu'il y a un chunk ici. Bon. Pourquoi il y a des chunks ici? Je pourrais pas vivre ici. Les gens du coin sont... Chunk, chunk, chunk. Oh, attendez. Non, mais la tableau de mission, c'est de la merde. On peut ramener les touristes à Borima 2, comme ça on soigne une pierre de coups. Mais ça paye pas assez. Dommage. Ah, le musée! Oh putain, non! Oh non! Non! Ma dernière visite ici remonte à très longtemps. C'est agréable de voir que l'endroit n'a pas perdu son charme. Bonjour! Venez me voir, Bill Starsap. Si vous voulez vivre une expérience unique et authentique, de nouveaux départs. Je suis une citoyenne locale. Je propose quelque chose de différent. Notre programme inclut un séjour dans une famille locale de nouveaux départs. Vous pourrez vivre comme nous pendant autant de temps que vous le souhaiterez. Insupportable, c'est quoi ce bruit en fond? Visitez le nouveau départ historique en participant à la visite des Starsap intégrale. On va tracer l'histoire des premiers jours de l'humanité dans l'espace, comment vivaient les premiers colons. Ah, ouais. Oh là là, mais c'est mais corrigez ça là! Regarde la plaque. Instrument ancien d'origine inconnue, Terre. Pour être d'origine ouest-africaine, probablement un genre de gnoni. L'instrument à cordes en forme de harpe traditionnellement utilisé dans les cérémonies accompagnées de chants et de récits. Cet instrument a été généreusement offert au musée de nouveaux départs. Et son origine s'est malheureusement perdue. Aïe 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 aïe. J'en ai un dans mon vaisseau. Bien le bonjour. L'entrée du musée est gratuite. Bien sûr. Bonjour Nick Fury.
Ensemble de supports médias, dans le sens horaire, dans ma gauche, oui bon, plein de livres, blablabla. Une VHS, ah oui. Non, elle est où la VHS, je la vois pas. Oui, il est là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour admirer notre petit musée ? Ouais, c'est Nick Fury, ça. Non, les musées, c'est pas vraiment mon truc. Mettre des vieux déchets dans une vitrine, ça fait pas un musée. Oh, la violence. C'est la meuf, elle débarque, tu sais, avec une veste de pirate, en mode, peut mettre des vieux déchets dans une vitrine, ça fait pas un musée, hein, désolé. Hein. Et elle se casse. Oh, j'en ai justement quelques objets de votre collection. Voilà. Merveilleux. Vous avez là de rares artefacts provenant d'avant l'effondrement de la Terre. Il reste peu d'objets de ce genre hors des collections privées, mais nous sommes ravis de pouvoir en partager un aperçu. Tout ce qu'il y a ici, je l'ai dans mon vaisseau, je suis sûr. Si vous avez des questions sur l'exposition ou sur Nouveau Départ, je ferai mon possible pour y répondre. Ouais, Maurice, là, tu tires le bouchon mes couilles, là. Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Je m'appelle Maurice Lyon. À 96 ans, je suis le doyen de la communauté. Mon unique tâche est de préserver l'histoire de la Terre. 96 ans ? Je raconte des histoires aux jeunes et aux visiteurs d'autres mondes. J'en donnais 70 et quelques. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. 60. Je fais de mon mieux pour ne pas me tromper. Ça choque pas qu'il... Non mais attends, quoi ? Il a 96 ans ? Il se porte bien. Oui, oui. Pour m'en dire plus sur l'exposition, ouais. Bien sûr. La médecine a bien progressé, j'avoue. Plusieurs c'est vrai. Les objets de notre collection sont en rotation constante. Mais ils proviennent tous du même endroit. La Terre. Du même endroit. Nous avons de tout. Des jouets et des technologies antiques. Des peluches. En passant par des trophées sportifs. Nous avions même ah. un ancien véhicule. Ah oui, une voiture ? Nous non. Vendre par manque. Ah non ! Le plus gros de notre collection a été donné par d'autres passionnés et des historiens qui estimaient qu'elle devait être au plus près de son origine dans le système Sol. Mm-hmm. Vous pouvez me raconter une histoire sur la Terre ? Bien sûr, avec grand plaisir. Il y eut un jour une guerre si vaste que le monde entier y a été impliqué. C'était en fait la deuxième fois que ça arrivait. Ils se sont battus parce qu'un homme terrible, carrément. Hitler, est arrivé au pouvoir. Attention, on est sur Twitch là, oh là là. Attention. Même la guerre coloniale fait pâle figure à côté. Ah oui, à ce point-là ? Non. Vous avez encore des histoires sur la Terre ? Eh bien, certainement. C'est mon travail. Attention à ce que tu dis. Il fut un temps où d'énormes monstruosités appelées dinosaures régnaient sur la Terre, bien avant l'apparition des hommes. Ils ressemblaient à des formes de vie que l'on trouve à certains endroits des systèmes occupés. Leur règne a pris fin lorsqu'un... Je ne me souviens jamais si c'était une comète, un astéroïde ou une météorite qui a percuté la Terre. C'est Genova, je le dis. Ça a balayé presque toute la vie dans ces temps-là. C'est Genova qui atterrit sur la Terre. Oh, une dernière, là, j'ai jamais 203, allez, une dernière. Laissez-moi en trouver une intéressante. Vous savez que j'ai rencontré Franklin Roosevelt ? Des hommes ont construit un mur si grand qu'il s'étendait sur toute la longueur de l'un des plus vastes empires de la Terre, la Chine. On l'appelait la Grande Muraille de Chine. Il était censé repousser les hordes d'envahisseurs. Si je me souviens bien, ça n'a pas toujours fonctionné comme prévu. Je vais devoir relire ça. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Eh ben, très bien, il nous a tout dit. Merci de votre... Oh, attends, le dingue... Attends. Ah non, non ! Attends. Merveilleux. Il reste peu d'objets. Ouais, ferme-la. Si vous avez des questions... Que pouvez-vous me raconter sur la fondation de Nouveau Départ, un peu, là ? C'est assez intéressant. Nouveau Départ était une base de recherche scientifique, la base astrale de Titan, lorsque le voyage spatial n'était qu'à ses prémices. Son objectif était de découvrir une vie extraterrestre simple ici, étant donné la composition de la Lune et la présence d'eau. Ce fut un échec.
On l'a donc transformé en base de recherche coloniale, où scientifiques et ingénieurs étudiaient comment bâtir des colonies sur des mondes inhospitaliers. Enfin, avec la multiplication des astromoteurs et la découverte de planètes similaires à la Terre, nous vous déparrainons en tant que communauté historique vivante pour préserver le passé. D'accord. Prenez soin de vous. Ça va être très bien. Un conseil, évitez le docteur local. Elle semble vraiment avoir un problème avec les touristes. Ah merde, comment ça ? Juliana, encore des histoires ? Décidément. Mais regardez, c'est le nouveau PC de gamer des années 2100. Hein. Le progrès technologique. Ensemble d'ordinateurs terrestres anciens datant de la fin des années 1980 au milieu des années 2000. Les ordinateurs existent sous une certaine forme depuis la machine, à différence de Charles Babbage en 1822. Les plus grandes avancées en matière de technologie informatique ont lieu entre le milieu du 20e siècle et le début du 21e siècle. C'est-à-dire que les appareils gigantesques remplis de tubes à vide occupant une pièce entière se retrouvent réduits à de petites boîtes remplies de microprocesseurs comme celle-ci que vous voyez ici. Regardez, les tours, évidemment. Avec c'est quoi ça? C'est les tours de disquette, non? Ça prend tellement de choses ici. Tout le monde devrait venir visiter au moins une fois dans sa vie. C'est les tours de disquette, ce truc là. Oui, c'est ça. Avec les deux petites LED là. Pardon, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi tant d'engouement autour de la Terre? C'est une planète morte. Respect. Nous venons tous de là. C'était un endroit regorgeant de beauté et d'histoire. Je ne peux assez insister sur l'importance qu'elle avait pour toute l'humanité. Ah, elle respecte pas ses origines? Ouais, sûrement. Je devrais peut-être mieux me renseigner. Oui. Parfois, j'envie ceux qui sont en mesure de voyager comme vous. Ouais, va réviser. Bon, qu'est-ce que vous avez là? J'ai tout ça. Bon, je finis de lire. Qu'est-ce que... J'ai ça aussi, j'ai le canard, j'ai tout ça. Opposition comme ça de la faune terrestre. À travers toute son histoire, l'humanité a utilisé de diverses manières des répliques d'animaux terrestres, des jouets et des jouets à des utilisations d'ordre plus pratique comme ces objets. La tire à la gauche, remontant au 15e siècle, les figurines en céramique creuse de l'animal appelé cochon, recueillies couramment la monnaie physique. 15e siècle, la tire à l'air, d'accord. Canard factice à droite. Le gibier d'eau, connu sous le nom de canard, était autrefois chassé à des fins récréatives et alimenté après les étangs terrestres à l'aide de fusils balistiques. Pour faciliter cette activité d'attirer, les chasseurs plaçaient souvent des leurres en bois dans l'eau et utilisaient des petits instruments à vent pour produire un appel ressemblant à celui d'un canard. Du canard. Le canard. Faites attention, il y a des zones dangereuses par ici. Oh! Elles sont dans aucune. Les peluches. Bonjour, bienvenue dans ma boutique. Bah oui, bah. Je serais ravi de vous aider si vous voulez faire affaire. Vous vendez des souvenirs, un truc du genre? À l'époque, oui, mais plus maintenant. Figurez-vous que l'office de tourisme aïe. De nouveau départ a décidé d'arrêter la production de souvenirs. On n'a pas vraiment les ressources ni les infrastructures pour les réaliser nous-mêmes. Et les faire fabriquer ailleurs serait cynique et inauthentique aux yeux de notre peuple. Tout ce qu'on a, c'est ces petites tablettes souvenirs sur l'histoire de nouveau départ. Oh, t'es sérieux, tu vends que ça? J'en ai une en rap qu'un autre client a oublié il y a un bout de temps. Vous pouvez la voir. Ah bah merci. Histoire en marche. Et du coup, qu'est-ce que tu vends? Avec plaisir. Ça m'intéresserait aussi d'acheter si vous avez à vendre. Déjà, voilà, ça hop là. La guerre ne meurt jamais. Le canard. Ok. Ah oui, t'as envie d'en vendre plein de ces merdes, d'accord. Un chant de Noël. Un masque de pêcheur. Ouais. De soins. Non. On pourrait faire un nez. Tu vends des yaourts? J'ai déjà vu, je crois, 500 collier déjà dans ce jeu.
Super. Super, c'est vrai. Portez-vous bien. C'est Nazapunk de mes couilles. Non. Cette colonie est bien plus petite que je le pensais. Regardez tout votre seau, ne touchez à rien. Ouais, bon, ça j'ai. Ça j'ai découvert tout à l'heure, ça j'ai aussi. C'est quoi ça? Ça j'ai pas ça. Ça j'ai. C'est quoi cette merde? Des pipes électroniques utilisées pour consommer diverses substances légales à l'époque coloniale de nouveau départ. Ah ouais. Ça c'est quoi? Morceau poli arrondi de météorite de Gibeon entré en collision avec la Terre il y a environ 600 millions d'années. Au-dessus, de gauche à droite. Attends, à gauche. Pas ça là? Morceau poli arrondi. Ah oui, d'accord, oui, effectivement. Chondrite carbonisée écrasée sur Titan il y a environ 250 millions d'années. Morceau de météorite de Dronino qui sera écrasé sur Terre il y a plus de 1200 ans. D'accord. Le petit bateau! J'ai bateau, ouais. What the fuck, c'est quoi? Ah, la taverne du poney. Ouais, ouais, ok, ok. Bon, on se balade, hein, écoutez, hein. On découvre une mine! C'est une affectation ennuyeuse, mais c'est mieux comme ça. Ouais, on va pas te plaindre. Ah merde! Merde, putain, c'est la sortie? J'ai pas vu. J'ai pas vu que c'était la sortie. Bonjour, vous êtes qui? Il y a un guide qui a montré aux enfants un dessin stupide qu'il a vu à Sidonia. Maintenant, j'ai l'impression de le voir partout. Oh? Tu l'as pas avec toi, là? Tu l'as pas avec toi, là, la grenouille de l'espace? Bibi boubi baboup. Eh, attention, Adrien, voyons. Attends, on est où, là? Les étrangers me demandent toujours comment je fais pour vivre ici. Moi, je me demande comment on peut vivre ailleurs. Les gens de Sidonia ont beau être plus... Non. On préserve mieux les traditions. Une mine grenade. Ça se trouve, il y a un artefact dedans. Oh. J'arrive toujours pas à croire qu'on puisse... Les baisses de tension de la semaine dernière. Et ça fait penser à quelque chose... bref. Oh non, Mumba, pas le billard, non, pas le billard. Ça n'a pas plu aux touristes, ça. Josh a dit qu'elle s'en occupait. Histoire de turbine gelée, ou je sais pas quoi. Elle s'en a recruté, si. Joyce fait du sujet à l'histoire, elle va s'en occuper, c'est sûr. On s'emmerde. On s'emmerde. Bonjour, madame. Bienvenue, je m'appelle Anja. C'est la première fois que vous venez à la taverne du Bébrin? Du Bébrin? Je viens tout le temps ici quand vous pouvez pas me reconnaître. Vas-y, Yolo. Ah, vraiment? Je connais tous mes clients. Ouais, une petite blague. Que la queue de billard. Ça ne fait rien. Il n'y a pas de quoi avoir honte si c'est la première fois que vous venez. Nous avons un assortiment. C'est pas une question de honte, c'est juste que je me foutais ta gueule. Certains ont été préparés selon des recettes familiales vieilles de 100 ans. Ah oui, du coup, ici, c'est la bouffe terrienne, en fait. Alors, que puis-je faire pour vous? J'ai vu le choc là-bas, c'est pas mauvais pour vos affaires? Pas du tout. Les gens du coin. Pas du tout. Je vais brûler leur boutique ce soir. Quand ils n'ont pas envie de cuisiner et veulent un bon repas, c'est chez moi qu'ils viennent. Bon, entre Chunk et ça, perso, moi mon choix est vite fait. Mais ne dites pas ça à mon mari. C'est le manager du Chunk. Je l'aime, mais il est un peu obsédé par ça. Oui, bah je l'ai vu, oui. Avec sa sauce. Voilà ce qu'on sait. Qu'est-ce que vous avez comme bouffe? Regardons la bouffe. Une petite bière blonde. Nom. Bière bon dans une brique, non mais pitié putain, mais c'est comme tremper du pain dans l'eau quoi, pitié. Voilà, ça c'est mieux ça en bouteille, oui, même si j'aime pas la bière, s'il vous plaît respectez-vous. Du Canuck. Canette. Putain mais c'est une alcoolo quoi, il y a de la bouffe ou pas ici? Des kiffels, bah voilà. En plus j'ai tellement faim là. Nom. Une pâtisserie sucrée, des noix caramélisées et épicées roulées dans de la pâte et recouvertes de sucre en poudre. Oh là 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 là. Un pack de bière, n'en pitié. Des pickle fruits.
Des pickles à la nette recouvertes de pâte à la bière. Puis fruits. Om nom nom. C'est vrai qu'ils se sont fait plaisir, hein, les devs, à modéliser toute cette chiasse là. Oh les cons. C'est trop marrant. Du pirogi. Pirogi, pomme de terre, fromage, blanchi puis fruits. Mumba, t'as terre à manger, tout ça, Mumba. Tu vois, Shell dans Iron Fury. Bah, Mumba, faut faire pareil, hein. Dev la dette à faire pareil, c'est om nom nom nom, elle va tout manger. Un sandwich VG. Om nom 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 nom. Un sandwich copieux rempli de légumes et de champignons grillés. Des champignons, c'est de la merde. 3 sur 20. Désolé. Selon mon réserve. Un steak fondant. Om nom 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 nom. Un steak haché recouvert de fromage puis grillé. Généralement servi avec des pommes de terre en copeaux. Un camion de pommes de terre. Om nom nom nom. Putain, en plus, c'est la taille du steak, what the fuck? Oh, le steak de 500 grammes! Oh lolololololo. Voilà, si vous voulez un toast pourri. Une tranche de pain blanc grillé, succulent avec du beurre ou de la confiture, mais peut se manger nature en cas de besoin. Et un whisky. Oh, je suis un peu déçu, ils vous vendez que ça, y'a pas genre des. À bientôt. Des spaghettis à la bolognaise, comme ça, pizza, des petits plats, ratatouille, je sais pas, comme ça. Ordinateur de la taverne. Inventaire. Idée de lutteur pour nouveau crocs. Croc super pie, croc salad cob, croc tacos, croc pizza, croc sandwich, boulet de viande, croc macaron, fromage, croc baozi, croc saison, yum yum, croc saisonnier, croc succulent, croc de l'eau, croc 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 croc. Température actuelle 23 degrés. On va bien. L'inventaire. Oh la 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 la. Est-ce que je peux avoir tout ça? Du bacon. Om nom nom. Om nom nom. T'es en train de me dire que. Non, non. Regarde, l'inventaire n'est pas en vue. Non, non. Des crocs au gâteau, non mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais madame dit qu'avant pas de crocs, tu fous ma gueule, il y en a derrière. Je t'aime, Anja. Salut Anja, j'ai trouvé cette tablette qui t'a été oubliée par l'un des clients. J'essaie de le contacter, mais il n'est jamais venu à la récupérer. Enfin bref, je sais qu'il n'aime pas qu'on utilise ce genre de technologie moderne ici, mais je me dis que je m'en prends déjà suffisamment plein la gueule parce que je bosse chez Chung pour n'en avoir rien à foutre. Je vais simplement laisser ça ici pour te dire que je t'aime. Tu comptes plus que tout le reste. Mais manque mes chunks. Connard. Avant, il y avait beaucoup plus de touristes. Oh non, non. Ils peuvent vous l'iton, bordel, j'avoue. Ouais. Oh, ce steak. C'est quoi, c'est une bougie, oui. Oh salut. Non. Ça fait toujours plaisir de voir une nouvelle tête. Non, mais c'est bien comme endroit, bon, bon. Ça manque un peu de gens à tuer, mais bon. Kill, 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 kill. Non, on n'a pas exploré ici, là. La clinique. Le lounge. Non, 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 non. Terrible. Oh. Pourquoi il y a une boule de bière ici, bordel de merde? Ils sont cons ou quoi? C'est quoi comme casquette ça? Casquette de baseball. Non. Collection, hein. Collection évidemment. Là y'a quoi là? Bonjour, c'est quoi ce foutoir là? Certains pensent que le nouveau départ est un trou perdu. Peut-être, mais moi ça ne me gêne pas trop. Ça va, ok. Oh. Vous voulez vraiment me parler? Je suis juste une anonyme du quartier des boîtes, vous savez. Oh! Et puis, je suis pas très douée pour parler de nouveaux départs aux touristes. Si vous vous intéressez à notre histoire, allez plutôt voir Maurice. Il est bien meilleur que moi. Oui, Maurice Fury, oui. J'aimerais beaucoup, beaucoup discuter avec toi pour de vrai. Allez, ne dis pas ça, j'ai pas juste une anonyme. Je crois pas avoir les qualifications pour t'aider à surmonter tes problèmes. Attends, je vais dire ça, non. C'est ce que je ressens, parfois. J'ai pas beaucoup d'amis, et j'ai peur de décrocher dans mes études. J'ai l'impression que je vais jamais réussir à partir d'ici et à me faire un nom. Enfin bon, si vous voulez vraiment qu'on discute, je préférerais qu'on parle d'autre chose. Et la déblanette à se poser, c'est parlons de l'unité, tu sais. Parlons de l'unité des orimorphes. Tu parlais d'un quartier des boîtes, c'est quoi?
Les boîtes, c'est comme ça qu'on appelle les hébergements pour les gens pauvres. Comme moi. Aïe, 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 aïe. Ils sont faits de vieux conteneurs. Ici, il faut s'accommoder de ce qu'on a. On t'inquiète pas qu'à néon, c'est pire. Encore, hein. C'est pas trop inconfortable. Et tout le monde galère un peu sur Titan. Mais on voit bien que les gens nous méprisent. Surtout les touristes. Tu as des problèmes dans tes études, bonjour. C'est pas les études en elles-mêmes le problème. J'ai de bonnes notes quand je peux m'appliquer. Le problème, c'est que je suis pauvre. Ouah, t'arrêtes. J'ai pas assez d'argent pour étudier à temps plein, même en vivant dans une de ces boîtes miteuses. C'est quoi cette excuse là? Je dois souvent faire des petits boulots pour pouvoir me nourrir. Et ça se ressent dans mes notes. J'ai peur de jamais sortir de ce cercle vicieux. Voilà, vois ça comme une bourse d'études, 20 000 crédits! Non, non, mais là, non. Tu peux très bien réussir sans être diplômé, il faut juste. Il faut peut-être juste partir de nouveau départ. Peut-être venir pirate, tu vois. Ah ouais, vraiment? Je pensais que c'était le seul moyen, moi. Enfin, mais c'est ça, Maxou, mais j'ai des réflexions que je me faisais, c'était la cousine de l'autre sur une Atlantis ou quoi? Vous avez peut-être raison. Bon, ça, allez moins pire, Maxou. Le temps de mettre assez de crédits de côté pour vivre et les reprendre plus tard. Si j'ai l'impression de pas avancer, c'est peut-être parce que je suis trop dur avec moi. Merci du conseil, c'était utile. Je te pense quoi que ça fait être sur la destination touristique, ouais. C'est pas si mal, en fait. J'aime bien discuter avec les gens d'autres planètes, surtout ceux qui ont mon âge. Ça me donne des idées pour quand j'aurai fini mes études. Parce que franchement, je suis pas sûr de vouloir rester ici. Ce sera toujours chez moi, mais dès que j'en aurai les moyens, j'aimerais aller voir ailleurs. Tu fais quoi, nouveau départ? Bah, les études, hein. Plus tard, peut-être. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Mais si il y a un pirate, hein, on peut s'arranger, hein. Le petit sandwich là, oh non, non. Et là, je lui vole son sandwich alors qu'elle est déjà pauvre, la pauvre. Elle est déjà pauvre, la pauvre, pardon. Elle est déjà dans la misère, la pauvre, plutôt. Bonjour? On s'habitue à l'odeur du méthane au bout d'un moment. Oh, attention. Attention. Bon, de toute façon, on va pas tarder à arrêter. Bon, désolé, hein, mais pour ces deux dernières heures, il y avait rien de folichon. Je voudrais avoir mon vaisseau plus tard. C'est trop cool. Oh, tu sais ce que tu vas voir, gamin? Ta mort. Non, pardon. D'abord parlons à elle là. C'est pas moi, elle aime pas les étrangers. Attention madame, non je peux pas faire ça, c'est vrai. Sinon ça va gueuler. Oh. Si vous faites un de ces stupides tours, suivez bien les consignes. C'est pour votre sécurité. Et ma santé. Après c'est pas. Y a pas de verrou rouge, on est bien d'accord, enfin de carré rouge. Donc je peux aller là-dessus. C'est pas considéré comme un crime. Attendez, excusez-moi, j'ai besoin de la loupe pour mieux regarder ce qu'il y a écrit sur votre PC. Parce que voilà, vous savez, j'ai des problèmes de vision. Vous savez, à mon âge. Putain, je suis clamsé, les amis. Je suis clamsé. Je suis au bout de ma life. J'arrive pas à ce puzzle. Et trop dur. Je vais m'effondrer en live très bientôt. Rendez-vous à venir. Oh putain, non mais pitié. Passant ce plan d'une sensation d'émangement dans le conduit auditif gauche. Examen gynéco annuel. Oula. Suivi en torse du genou. De la partout dans le bas du dos le matin. Sans doute un mauvais matelas. Attends, Gaspard Banabus, Nastia. Consultation charia, artrite probable, sortez-vous toute la journée. Ouais. Je connais pas tous ces gens. Oh là, j'ai la flemme. Je suis trop fatigué. Une autre fois, peut-être. Je suis à deux doigts de m'effondrer. Faut que je fasse la ligne rouge en plus. La ligne rouge, évidemment. Madame! Je m'occuperai de vous si vous en avez besoin, mais essayez de faire attention. Attention! C'est difficile d'être médecin dans une communauté qui fait tout à l'ancienne. Même si on n'a pas un centre médical dernier cri, ça doit toujours être plus facile que... Deviens pirate dans mon équipage, tu auras de quoi étudier. À dépouiller les livres des cadavres sur les cadavres. Alors c'est rare qu'il y ait un problème insurmontable pour moi. Pour le reste, on peut avoir accès à des spécialistes venus d'ailleurs.
Vous savez, on n'est pas aussi primitif que certains disent. J'ai jamais dit le contraire. On dirait que vous n'êtes vraiment pas les touristes. C'est rien de le dire. Ils tournent en dérision la culture de nouveau départ. Et en plus, ils sont imprudents. Je l'ai déjà dit, mais j'ai l'impression de passer plus de temps à les soigner eux que mes propres concitoyens. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces cons? Ça doit vous donner du boulot, mais en quoi c'est un problème? Bah, je sais pas. Je comprends que ça vous... Ouais, non, attends, je veux dire ça, mais bon. Je pense que le 1 va être obligé. Le problème, c'est que la plupart des touristes se blessent lors d'accidents qui pourraient être évités. Mais comment? Qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, je dois m'occuper d'eux en priorité parce qu'ils ne peuvent pas repartir sans être soignés. Mais ça m'empêche de voir mes patients habituels. Non seulement je redouble d'efforts pour des gens qui me respectent à peine, mais en plus, ça se fait au détriment de ma communauté. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends que ça vous agace, mais je n'ai pas envie de voir quelque chose, mais comment ils font pour se blesser? C'est quoi le bail? En fait, vous pouvez peut-être m'aider. J'ai un plan qui conviendrait mieux à un inconnu qu'à moi-même. J'ai une montagne de travail et une réputation à préserver. Tuer tous les nouveaux touristes. J'ai acheté un costume de monstre très réaliste. Comment ça? L'idée serait de l'enfiler, d'aller faire peur aux touristes et de répandre la rumeur que de terribles créatures rôdent sur Titan. J'imagine qu'une fois que la rumeur circulera, il y aura une baisse de tourisme suffisante pour que je puisse souffler un peu. Mais t'as costé Disneyland ou quoi là? C'est quoi? Mais franchement, écoute, de toutes les quêtes que j'ai faites. De toutes les quêtes, hein, et Maxou, hein, Maxou, y comprise, Maxou, mon cher Maxou, y comprise la quête de du trophée, là, sur la sirène flottante de Miku Mickey, là, ton idée est complètement conne. Mais d'accord, c'est ça les putains touristes, c'est quoi? Franchement, même Capitaine Haddock, il trouvait c'est de la merde, pour l'histoire du trophée, là. Mais c'est des reculs, vous croyez vraiment que ça va marcher? Peut-être. C'est complètement con. Je suis pas sûr. Je sais que ça paraît dingue, mais je n'ai pas d'autre idée. Non, mais au pire. Le tourisme refuse catégoriquement de m'aider et je n'ai pas le budget pour embaucher des assistants. Non, mais au pire, mais oui. Et puis, ces touristes sont prêts à gober n'importe quoi. Ça vaut le coup d'essayer. Oui, non, mais oui, d'accord. Au pire, ça marche pas et je serai de retour à la case départ. Non, mais au pire, mes chers viewers, mes chers amis, je ramène un callover, une petite plante. Tu veux un monstre, y'a pas de souci. Moi je sais comment spawn un Orimorph, hein. Maintenant j'ai la formule magique, hein. Ça a l'air marrant, peu importe si ça marche ou pas, je vais le faire. Pour l'argent. Voilà ce que j'espérais entendre. À vrai dire, je ne sais pas non plus. Ah, Adrienne ne veut pas le faire, elle, plutôt. Ça peut pas faire de mal d'essayer. Voilà le costume. Ça marchera mieux à la surface, je pense. Repérez un groupe et foncez leur dessus, faisant semblant d'être un monstre convaincant. Avec un peu de chance, ils prendront leurs jambes à leur cou et repartiront avec la première navette. C'est quoi cette quête à la con? Costume de monstre, vas-y, fais voir ta merde là. Attention, est-ce qu'on est prêt pour une dinguerie? Est-ce que vous êtes prêts? What the fuck is this shit? Ouah, mais les stats que ça donne, 52 en chaque! Par contre, 7 de masse et 0 stats en environnement. En environnement, 50 partout, mais c'est incroyable. Parce que pour rappel, bon, les camps de pirates, voilà, 5, 15, 25, hein. Holy moly. Non mais attends, mais je peux le garder, ça? Ou ce sont la baise? Ah non, mais c'est une armure, peut-être. Ah merde, c'est une armure. Aïe, 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 ça me paraissait un peu grand pour une tenue. Mais attends, t'es en train de me dire, attendez. T'es en train de me dire que si je finis la quête... Bon, par contre, il y a un bug de texture, hein, désolé. Hein. Si je finis la quête, je vais garder la tenue, on est bien d'accord? Donc mon compagnon peut s'équiper de ça. Incroyable. Incroyable. J'accepte la quête. Juste pour cette idée à la con. Putain. Bonjour. Les gens de Sidonia ont beau être plus proches de la Terre. Ouais, attends, y'a quoi là? Une petite suite. Un petit coffre là, qui traîne. Faut faire le dernier boss à fake. Cet endroit regorge d'histoire, si ça vous branche. Ouais, non. J'aimerais bien aller explorer les sens.
Non mais il faut jeter des boules de plasma en même temps, là ça fait super réaliste là. Papa il dit que l'agriculture c'est hyper important, mais j'ai un peu envie de faire autre chose. Ah ouais? Comme devenir pirate par exemple? En parlant de pirate, attends. Oh regardez! Les Astriens dans ta tête. Ah ouais. Bon, on va faire cette quête à la con. C'est là, faut que je revienne et tout là. Là. Pas pour la ligne rouge, je suis après bonne nuit. Hein. Ouais. Bon, ils sont là, les cons là. Merde. Oh non, pitié. De toute façon, il a dit, faut que j'aille à l'extérieur. Du balai, les touristes. Ils sont où? Ils sont où? Master Chocobo. Où sont les touristes? Ah, faut que j'enfile le costume. Ah, d'accord. Oh. Ah non. Ah non, c'est full buggé. Oh là là. C'est full buggé. Ah. Parfait. Par contre, je suis à poil. Ça marche ou pas? Ah non! Et bah faut que je mette à poil. En dessous apparemment. Mais c'est complètement con, c'est complètement con d'y aller comme ça! Vue! Cible en vue! Oh oui! Je suis la vengeance! Je suis la nuit! Je suis un putain d'alien! Dégagez de là! C'est mon fief! Courez! Run, bitch! Bonjour, Adrien! Oh, Gougaga, 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 Gigabouk. La... Mais bougez votre cul. La mort, oh bien. Ah non. Non, mais Adrien. C'est quoi cette chose? Bonjour, vous voulez une photo? Non, mais Adrien, tu fais chier, Adrien. Oh. On fera ce qu'il faudra. Et Dieu vous juge. Bon, allez, ça suffit. C'était de la merde. Tu peux te faire un double alien, comment ça? Un double alien? Par contre, on va retirer cette chiasse. Ah d'accord, ça me vire tout ça en fait, d'accord. Ah oui, d'accord, le costume, c'est juste la tenue en fait. Pas de sac ou de casque, mais rien du tout quoi. Et bah super. Un clone. Ah oui, j'avoue. Ah oui, attends, on va tester ça. Oh, c'est incroyable. Oui, attends, ferme-la. Hein. Ferme-la, sinon. Oui, c'est vrai, Maxou, mais oui. Excusez-moi, mais je suis pas d'humeur à dire. Ferme-la, toi. Vos départs est un musée vivant, mais de vrai. Ah, ça bug, ouais. Ton bug. Hein.
La mort. Oh là là là, vous êtes encerclée, madame. Oh là 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 là. Vous avez fait peur à ces touristes? Je fais peur à quelques touristes pour vous. Vous voyez, parfois les idées un peu folles, ça marche. Mais maintenant, vous êtes encerclée. Merci d'avoir accepté d'écouter mes idées tordues. Alien Hub qui arrive. Si vous voulez bien revenir et refaire ça de temps en temps, je vous laisserai même garder le costume. Oui, mais non. Ouais, ah non. Mais non, mais connasse. Ah, super. Et hop, je sais bien, vous êtes médecin, mais attention. Ah bah rip. Il y avait un alien à côté de vous, hein, sinon. Vous n'avez pas idée de la quantité d'étrangers qui pensent que se balader à la surface de Titan est une partie de plaisir. Et du nombre qui finit dans mon cabinet. Oui, vous dégoûtez un costume pareil. Je l'ai acheté à un particulier. Apparemment, il l'aurait obtenu de quelqu'un qu'il portait à l'école. Ah bah, d'accord, ok. Grand classique. Grand classique. Je suppose que c'est censé être un tardigrade ou un truc du genre. En tout cas, la personne à qui je l'ai acheté l'a modifié pour un film indépendant qu'elle produisait. J'imagine que ça n'a pas abouti, alors elle a dû le revendre. Tant mieux pour moi. D'accord. Attends. J'ai un peu de stock avant. Ah non, avant pas la tenue. Dommage. Tous de secours, on prend évidemment. L'access top, je vais prendre aussi. Ok. Bon, écoutez, on va finir sur une petite lune rouge, puis on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, hein. Bon, bah, on s'est baladé, voilà, c'était un peu chillax, hein, c'était un peu chillax, hein, c'est... Ce live, hein. À part la première heure où c'était, comment dire, un massacre sans nom. Mais bon, l'argent, hein. L'argent, hein. J'aurais bien fait, comment dire, Oh, est-ce qu'on se fait ça? Est-ce qu'on se fait quelques petites orimorphes là, avant de vous laisser, et puis après la ligne rouge? Aïe 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 aïe. Ah, attends, laisse-moi réfléchir. Pas la barrette, non. Quartier du Thames. Non, je vois, ouais, si la quête est répétable. Bon, je pense que oui. On dirait que New Atlantis non, Simon. De mes visites. Non, pas Xeno, lol, pitié. Parce que j'aime pas l'employeur, c'est un sac à merde. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais éliminer des orimorphes. Pas de soucis. Vous pouvez y aller maintenant? Bien sûr. C'est impossible, ça aurait été possible d'avoir un petit extra sur le tarif standard, c'est ma spécialité après tout. J'ai pris les devants et demandé à ce qu'on débloque le tarif maximal au moment où vous avez accepté le boulot. Vous aurez la meilleure prime possible. L'argent. Alors, vous voulez vous mettre... Bien sûr. Bien. Alors vérifions les détails ensemble. Je dois juste... Sur Jemison. Jemison, comment ça? Place et débarrassez-moi de cette bestiole. C'est ici du coup, non? Bonne chasse. Non mais Jemison c'est là? Ah oui. C'est sur New Atlantis. Pas sur Roger, sur la même planète quoi. C'est le retour du Jida. Il complote. Je vous dis hein, c'est ce mec là. Yacine là, je crois qu'il s'appelle Yacine. Aïe 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 aïe. Bonjour ces saloperies. Oula, j'ai vu un truc bizarre. Ah, un piaf. Mais juste là. Mais il est tout seul ce con. Oh, c'est quoi ce bruit là? Oh bâtard. Bon, vous allez dire mon niveau 6 c'est de la merde mais Oh le flingue, qu'est-ce qui se passe? Ok. Oh, 95 XP quoi, on prend. Surtout une matériel génétique alien, hein, ça c'est important ça. Et quand même, hein, presque 250 XP comme ça en une minute. C'est voir ça. C'est voir ça comme quête franchement. Et surtout ça donne du matériel génétique comme j'ai dit, hein, donc ça c'est pour la méga drogue. On parle de méga drogue. Non, non. Oh attendez, on pourrait tester un truc. C'est quoi ça? Un piaf.
Un pieuvre qui a dispawn, je crois. Très bien. Bah écoutez, vite fait, bien fait. Voilà, ça c'est fait. Merci à tous. La ligne rouge, c'est mort. Une soupe et au lit. Voilà. Alors, est-ce qu'on tente une strat pour la ligne rouge? Non, je pense que ça passera pas. Je pense surtout que c'est pas le niveau max que j'ai là. On va peut-être tomber sur d'autres colons. Qu'est-ce qui se passe? Putain, bande de cons. Oh merde. Oh. Ouais, ouais, peut-être ça sera mieux, ouais. Putain de costume, quoi. La moitié. Je me fiche de ce que vous avez à dire. Moi aussi, ferme-la. Tout le monde est le bienvenu à la ligne rouge. Hello. Oui, je suis sobre, y'a pas de soucis. Ensuite, bonne chance. Il y a peut-être un monde où... Non mais ça va être beaucoup trop à attendre. Je vais tester un truc. On est là pour le lol après tout. Bah, tu vois Adrien, Adrien tu vas voir c'est vraiment une quête à la con. C'est la pire quête du jeu. Votre attention s'il vous plaît. Je vais faire du Xenofresh hein. Qu'est-ce que... Décidé d'affronter la ligne rouge pour vous divertir et satisfaire votre amour du jeu. Faites vos jeux. Est-ce la victoire qui l'attend une nouvelle fois ou est-ce que la mort viendra enfin avec la maison? Vous avez jusqu'à son passage de la ligne pour placer vos paris. Ouvre la porte et que la course de la ligne rouge commence. Putain mais ces mecs de la sécurité hein mais j'ai tous ces dézingués hein. Je pense avec mon second personnage ici je défonce tout le monde, rien à foutre. Alors est-ce qu'on tente une connerie, ça vous dit ou pas? Attends je vais quand même sauvegarder tout court même. Je crois qu'il se passe des trucs bizarres. Voilà. Alors est-ce que vous sortez le plan cul? Ça passera jamais hein, mais bon. Je veux que savoir si avec full dash j'arrive à aller jusqu'à là-bas. Alors, je vais prendre mon petit... il est où? Ma petite cœur de géante. Et on va coupler ça avec une essence quantique. Oh! Voilà. Let's go. Oh oui ça passe. Si j'arrive à viser la tour, c'est win. Mais est-ce que je vais faire ça en moins d'une minute? Je pense pas. Hein. Les dieux! C'est un avion ou non? C'est un oiseau ou non? C'est quoi? C'est motherfucking devil à dette! Avec le pouvoir des dieux! Oh, attends! Alors peut-être? Ah, vite! Je spam! Ah. Oh! Ha ha ha!
Bah, je visais la tour, là, franchement, là. Ah, si, j'ai trop envie de... j'ai trop envie de réessayer. Putain. Ah, cette photo, elle est pas mal, ouais. Et c'est pas mal comme coussin. Oublie un détail. Comment s'oublier un détail? Non, non, mais j'ai foiré mon atterrissage, surtout, Maxou. J'ai foiré mon atterrissage. Aïe, 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 aïe. Attends, on retente la dernière fois, sinon bah, on fait la méthode habituelle. Hein. Mais non, mais espèce de con. C'est ça que je voulais faire. Je bois. Tout ça pour blap. Je suis sûr on peut faire des trucs vraiment débiles avec cette drogue du coup. La drogue. Après je rappelle qu'on est sur une planète à 2 de gravité hein, donc la chute est vénère. Il voyait peut-être juste vise plus le bord de la tour. Peut-être la chute. Ouais. Oh bordel de merde, ouais, je suis tellement haut en fait. Oh, je suis tellement haut. Ah bah what the fuck, bah j'ai. Merde, j'avais pas assez de mana. Bon bah vas-y Foxat. Une autre fois. Zimmer, j'ai pas réussi à atteindre la tour cette fois. Bizarre. Bizarre. Jamais 203. Il est 19h30. Simon là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire hein? Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous jure? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Non mais Nick. Ouais. Des zooms, ouais, voilà. Ouais, donc du coup, avec juste la drogue, ça suffit pas, hein. On a bien vu, hein. Par contre, couper à l'essence quantique, c'est incroyable. J'ai mal au bras. J'ai mal au bras. Oh merde. Ah ouais, non mais on peut pas. Ah ouais, non, c'est pour vous dire, ah ouais, non, tant pis. Et si, après, si je mets des points en réduction de chute, y'a peut-être un monde, hein. Mais, est-ce que c'est worth? Je crois pas. Mais ouais, y'a quelque chose, hein. Ah, quel plan au cul. Putain. Ah ouais, la gravité x2, ça fait mal, hein. Ça fait mal aux jambes, on le sent. Aïe. Bon, au moins, voilà, on a prouvé que c'était faisable, mais bon. On n'a pas les points de compétence, malheureusement. On n'a pas les points de compétence. Mais voilà, c'est rigolo. C'est rigolo comme idée. On sait pas tout, mais bon, le givre loup. Et normalement, j'ai une eau qui traîne. Eau gazeuse. Non. Et c'est parti, les dieux. Mais non, mais saute, connard. Bip bip. C'est plus que c'était les lives du DV jeune sub Simon, pitié. Non, c'est bon. Pitié Simon, no, please Mr. Poopy. No.
Y a pas de bestioles ou quoi? Où sont les bestioles, Simon? Oh, j'ai vu une bestiole, cours. Cours pour ta vie. Cours pour ton cul. Oh shit. Miaou. Cours. Miaou. Vite. Bip bip. Des fois je mets la musique en fond là, mais bon, avec Twitch je me méfie, vous avez déjà vous. Il se passe, pourquoi y a un vaisseau, pourquoi y a un vaisseau? Les Astriens. Pas les Astriens, non. Ou c'est peut-être Adrien qui s'est barré avec mon vaisseau. Traître. Bon, attends, je me suis pas fait toucher, attention, attention. Le moment MLG. What the fuck? Pas de moment MLG, oh le con, oh le con. What? Mais, ah mais il est pas là, ok. La chance. Et voilà! Parfait! Zéro hit! Oh là là! La run! Trouble ticket escalation, please, please, please! Level 12, please, please, please! No, no, please, no, no, au revoir. Au revoir, Adrien, merci pour tout. Merci pour tout. Cassez-vous. Vous voulez encore participer à la ligne? Bon retour, votre série. J'espère que vous comptez. Oh là 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 là. Et du coup, on est à 14. Plus que 15. Incroyable. Alors, grosse merde, je me rapproche, hein. Ah, encore vous. Non mais ta gueule, ta gueule. À la prochaine. Ouais, à la prochaine, ouais. Du coup, j'ai gagné un Max Storm. Oh, ça, ça vaut de la thune, ça. 39 000 balles à uranium appauvri. Oh, non, non, non. Oh, non, non. Oh, non. Oh, non, non. Oh, non, 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 non. T'as un problème, toi? Vous voulez ma photo? Fermez-la! Tous! Il est où l'autre con là? Il est où le champion là? What? Silence! Qu'est-ce que tu veux toi? Et où petit rat? Et où petit rat? Grenade! 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 Il est où l'autre con là? Je le cherche! Qu'est-ce qu'ils ont là? Baboum! Oh, putain, c'est tu m'aimes pas, mais c'est quoi ces grenades pourries? Grenade! Grenade! Il est parti où? Il faut que je le trouve. Il me faut son cadavre. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh, en vrai, cette arme elle est pas trop mal hein! Pas trop mal cette arme. J'en peux plus. C'est sans espoir, je me casse. Ah ouais? You insolent fool. Craquage mental UDV évidemment. On se regroupe. Ah ouais? Non mais franchement, ça dépote hein. Et le petit A, et le petit A là. Putain mais il s'est barré. Il s'est barré en premier quoi. Bonjour. Longue vie au roi. Longue vie au roi. Longue vie au roi. Longue vie au roi. Voilà, on a perdu Devladette là, je crois. Oh, il s'est refugié chez lui, je crois là. Grenade. What? Alors? Voilà. C'est comme ça que Devladette finit son aventure. Elle tue tout le monde et elle se suicide, voilà. Pour les civils, elle est bien, ouais. Non, mais même contre les mecs de sécurité, ils étaient niveau 20, 20 et quelques et tout. Ça dépote, hein. Ça dépote. Mais ouais, de toute façon, il me faut une arme comme ça, ouais.
Attendez. Ah voilà, voilà. 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 Ah. Alors comme ça, on est en scénarium? What the fuck? Alors comme ça, on est en scénarium, grosse merde? Hein? Attends, je t'emmène aux toilettes, attends. Ouais, attendez. Bon, deux vies. Bon, excusez-moi. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura plu. Oui, Imogen, bonjour Imogen. Voilà, bon. Beaucoup de loot. Nouveau départ. Du lore. Et la ligne rouge, hein, évidemment. Et du remorph. Ah, du remorph. Et peut-être cette arme, je vais la garder, hein, c'est pas trop mal, mais bon, on va faire 18 de dégâts. Ouais, mais c'est un code mode cette merde, malheureusement, c'est ça qui est dommage. 12 de masse par contre, mon fucking. Holy moly. Merde, mais quel con. Bonne thérapie DV, oh. C'est quoi cette photo dégueulasse? Pourquoi la photo est dégueulasse? Bah, super, je vais pleurer. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit. Et je vous donne rendez-vous demain, bah, pour d'autres lives. Voilà. Allez, salut! Longue vie à la ligne rouge en...